Et bonjour à tous, petite présentation du 80 Games Legends Pinball. 3 cartes taille Pin Cab Full HD. Distribué en Europe. Vous trouvez ça sur le web. Partent comme des petits pains. Très amusant, bien amorti, un régal. Donc, le but également, c'est de présenter un peu le matériel. En français, car il manque un peu de tuto en français sur avec les traductions YouTube, mais c'est assez simple à suivre. On s'assure que tout est à jour, les firmware et les packs. Bon, ici j'ai le pack Taito, Gottlieb et donc Zakaria en plus, qui me fait donc 13 pages de table livrées avec, pas livrées avec, mais greffées avec. Du arcade, du coin ops à ce niveau-là, donc on peut voir le settings. Essentiellement, je vais voir donc vous montrer du OTG, donc la connexion HDMI vers l'ordinateur. Tout ce qui est jeu intégré, super fun et cool, mais j'exploite bien le machine avec ton ordinateur, c'est un peu conçu pour également. Connexion Wi-Fi à la maison en 5G. Paramétrage son pour avoir du bon retour haptique en OTG. 90, 80, 80, on. Reset all tables to default, oui. Le contrôle panel, bon, je l'ai pris aux States. C'est pour ça que je l'ai eu. En avant, il y a longtemps, par une copine, mais ça permet la navigation très 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 facile ici. Voilà, donc si jamais vous avez donc souci de vibration qui vient ici, les haptiques, on peut baisser dans les settings qu'on a vu. Il y a un fixe qui existe, c'est 45 25 3. Ou sinon, simplement un peu de colle ici, comme j'ai fait. Tu dévisses. Voilà. Un peu de colle là. Un peu de scotch double face isolant là aussi. Nickel. Ça ne vibre plus. Après, tu bouges ton son comme tu as envie pour que ce soit nickel. CoinOps, pourrait faire une petite présentation après, mais c'est le matériel et tout. Ensuite, câble HDMI, donc le PC, petit PC, vraiment, c'est de la récup, c'est ni 5, 3 gigas, il y a peut-être quoi, 16 gigas de RAM, et GTX 660 Ti GeForce, donc vieille, vieille carte, c'est le strict minimum pour du FX3, on va dire, ou même VPX qui tourne. Le câble HDMI, USB et la clé USB pour les jeux. Qui court derrière? Oh, c'est pourri, excusez-moi, mais du HDMI et du DisplayPort. On voit bien mon adaptateur DisplayPort HDMI qui va au VIBS. Hop, je l'ai mis derrière. Et qui court? Ici sur la carte VIBS, bah finalement que j'ai installé avec quelques vis à la One Again, du scotch à la One Again, mais ça tient bien et faut bien suivre ces instructions qu'on trouve sur IT Games sur YouTube pour faire le branchement. Rien de sorcier. Peu de carton en haut pour cacher cette lumière que je trouve super gênant ici. Voilà, ouais, c'est un peu de LED que j'ai rajouté derrière. Excusez-moi. Et voilà les pieds réglables, le plunger, le nudge. Bon, je vous montre un peu du OTG. Également, l'ordinateur,
Bon, le séquence d'allumage, d'abord la LP, puis l'ordinateur. C'est en train de booter, ça s'allume. Ici, j'ai un écran en plus.